Ah ouais, c'est bien de l'autre. Les héros s'éloignent pour rééquiper le trou, que c'est beau. Et sans marteau, c'est encore plus beau. Pour la chartilité. Ouais. Titi le mono, on l'aime bien. Mais il aime pas les spits pourris. Donc il a tout doublé. Sauf la corde. Mais comme il a dit qu'on avait 80 mètres, on va descendre en 2x40. Ouais. Vu d'ici, vous voyez pas ce qu'elle fait, hein. Bah c'est chiant en fait. Pas trop bas. Hein? Ouais, beaucoup plus, franchement. On sentait plus le style avec toi, tu vois. Qui fait peut-être un septième. Ouais. Pourquoi tu rebouches le trou derrière toi? Attends, un gros caillou qui t'a suivi. Alors la salle de Thibaut fait 1 mètre cube. Ouais, je vois. Ouais, c'est pas une salle. Une cloche ou nette à noter sur la topo. Cloche ou nette. Vraiment, c'est bon. Un petit mot pour nos followers. Est-ce qu'il est aussi la vie? Ouais, faire le gras aussi. Oh, qu'est-ce que c'est beau les profondeurs de la terre. Finalement, j'aurais pas vu même pas sur le. J'aurais pas vu même pas sur le. Ah, on est content de remonter le P40 plein gaz. Rappelle un puits des escrocs. Ouais. On ne peut pas connaître. Bon, ben il reste ça. Je vais monter ça. Et attention. Surprise du chef. Le petit truc à l'hiver avec les cachots. Hein, hein. Vu d'ici, c'est pas si haut. Non, au contraire, c'est bien. Oh là là, ce cul d'acier. Oh là là, Elise, elle boule qui chamboule. Ah, elle est forte, elle est forte. Regardez, elle a une telle puissance qu'elle a craqué le cul de sa combi.
en une seule portion. Non mais en fait t'es en contre-jour, faut que tu redescendes. C'est pas facile, ils sont remontés sans moi. Comment je vais faire? Je suis tout seul en bas, venez me chercher. Accès par la face est. Regardez-moi ça. Coucou Élise! Qu'est-ce qu'elle remonte bien, Élise? Ah, quelle rapidité! Quelle puissance! Quelle force! Hein? Allez, t'arrives au Fraxio? Allez, ici, il fait un peu plus chaud, ouais. Une fois que t'es sorti, il fait un peu plus chaud, hein. T'aurais pas un souci de poignet, toi? Quoi? T'aurais pas un souci de poignet? Je trouve qu'elle accroche pas. Moi j'ai remonté mon torse quand je suis remonté à mi-pente et ça m'a vachement libéré. Libéré, délivré, en plus aux fractions, il n'y aura vraiment pas de peau à tout déséquiper. C'est vrai que tout est une question de taille. Ça va pour un P120, franchement, c'est bien, hein, Denis? Faudrait qu'on vérifie la topo quand même, j'ai un doute. Oui, non, mais tu sais, c'est encore un puits des escrocs, ça. Ouais, tu vas voir, il fait 20 mètres le puits. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Finalement, ils sont pas si serrés que ça, ces spits. Heureusement que j'ai une clé à pipe, quoi. Alors, on a toujours su que t'aimais les pipes, Denis, hein. Ça, c'est le fait d'être au-dessus d'un gros trou. Ça doit être ça, un trou sombre. Et en plus, il était vachement humide. Ah, il manque de fréquentation. Ouais, voilà. Hein. La fréquentation. Ouais, un petit débroussaillage, ça ferait pas de mal. Et moi, je pense que ça devrait être dans les modules d'initiation du SSF. Bon, mis à part le moment où il va se péter la gueule parce qu'il s'est pas mis en tension avec sa poignée. Oh, finalement, ils m'ont attendu, hein. Je suis remonté. Ah, ça c'est ouais. L'esprit d'équipe. Un qui porte, un qui guise qui équipe, un qui déséquipe, une autre qui porte. Mmh, jusqu'en bas, ouais, je dirais 50. Alors t'as 80, par contre elle suffit pas. Ah oui, là c'est un peu court. Hein. Un peu court. Oh, mais ça va là. Ça on a réussi à faire la base du puits.